sympathiques. Ils sont arrivés hier soir, ils sont venus répéter. Et déjà à la répétition, nous avons tous écouté, nous avons tous applaudi. Quand ça nous plaît, on fait comme vous, on applaudit. Pour la première fois en France, bienvenue à eux d'abord. C'est le chœur national d'Ukraine que nous allons accueillir, qui est dirigé par Evgeny Savchuk et qui interprète une pièce de liturgie orthodoxe de Bortnyavsky. Alors nous accueillons maintenant la Capella Domka, le chœur national d'Ukraine. Jamais entendu chanter d'une façon géniale, écoutez-les quand vous voulez. Слава Богу! 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 Слава Богу!
messieurs, sous vos applaudissements. Merci, merci mesdames et messieurs. Merci monsieur. Voilà. Voici quelques fleurs de France qui vous diront notre tendresse pour vous et l'admiration que nous vous portons. Merci mesdames, merci messieurs. On les applaudit, ils le méritent. Ils sont aujourd'hui à Strasbourg. Ils seront à Saintes le 29 juin. Et puis en tournée à travers toute la France. Alors, si vous aimez l'art vocal, si vous voulez entendre véritablement du chant choral au plus haut sommet, ne manquez pas ces chœurs, le chœur national de l'Ukraine, qui ont admirablement chanté ce chant liturgique. Voici la séquence des archives, mesdames et messieurs. Les archives, ce sont la mémoire des Français, ce sont enfermés dans des blocos, tout ce qui a été tourné sur notre histoire, l'histoire de France, cette histoire qui fut la nôtre. Tous ces événements que vous allez voir sont arrivés cette semaine, mais cette semaine à d'autres époques. Un passé que l'on revit gravement ou joyeusement grâce aux archives de l'actualité. Regardez bien, ceci nous appartient, c'est notre album de famille. Le roi Paul et la reine Frédérica de Grèce ont voulu découvrir Paris comme un livre d'images. Sans trop de protocole, ils ont remonté la Seine qui est véritablement une voie royale et sont ainsi arrivés jusqu'au cœur même de la cité. Au Quai d'Orsay, le gouvernement français a offert une brillante réception au souverain, dont le rayonnement et la simplicité ont séduit tous les cœurs. Au cours de son séjour, le roi Paul a fait appel, on le sait, à l'opinion française pour le rattachement de Chypre à la Grèce.